Quand les gens entrent en contact avec leur propre pouvoir, par leur capacité à participer à quelque chose qui crée de la vie, ils deviennent souvent plus militants. Militantisme est un mot lourd pour certains, certaines, qui évoque des images chargées de virilisme ou presque militaire. Pour nous, le militantisme, c'est la combativité associée à une certaine volonté de lutter, mais lutter peut recouvrir beaucoup de choses très différentes. Cela peut être la lutte contre l'oppression et la honte intériorisée, le soutien déterminé que l'on apporte à un, une amie ou un, une aimée, le courage de regarder en face son traumatisme, un acte anonyme de sabotage, la détermination à redonner vie à des traditions annihilées, le fait de fixer des limites ou simplement la volonté de prendre des risques. Nous avons choisi de placer la joie et le militantisme ensemble dans le but de penser les liens entre détermination et amour, résistance et soin, combativité et régénération. Quand nous sommes sincèrement soutenus et aimés, nous devenons capables d'étendre cela à d'autres quand cela nous semblait peut-être impossible ou terrifiant auparavant. Quand nous avons le ventre plein et l'esprit aiguisé par les cantines et les bibliothèques autogérées, la haine pour les modes de vie capitalistes se met à pousser au milieu des attachements et du sentiment d'appartenance. Quand nous recevons du réconfort et le soutien d'amis, nous pouvons trouver la force de faire face aux abus que nous avons endurés. Quand nous développons ou que nous retrouvons ce qui nous lie au lieu que nous habitons, nous pouvons finir par tenir debout face aux bulldozers pour protéger ces lieux. Quand nous commençons à trouver la satisfaction de nos besoins quotidiens dans les assemblées de quartier et l'entraide, nous sommes tout à coup prêts et prêtes à affronter la police. Et cet affrontement permet d'approfondir des liens de confiance et de solidarité. La joie peut être contagieuse et dangereuse.